Vous voulez continuer à tirer? Non, ça suffit pour aujourd'hui. Vous devriez essayer de faire de nouvelles diapos. On tire tout le temps sur le même gars. Et je leur ai dit aussi. On en a assez de voir la même tête. Je vous dérange? Non, non, tu peux venir. Bonjour, Derek. Bonjour, Winterstein. Tu cherches toujours tes faussaires? Ouais. Quand je reviens dans ce stand, j'ai l'impression que je ne pourrai plus tirer. J'ai perdu les réflexes. Oui, c'est vrai, mais il faut quand même continuer à s'entraîner. Allez, fais un carton. Au revoir. Au revoir. Vous avez encore ces vieilles diapos? Oui, je vais vous les envoyer. Oui, merci. Radé de peu. Je crois que j'ai tout à fait perdu l'âme. Dites donc, vous avez encore les diapos qui ont été prises dans la rue où un mec faisait feu d'une voiture? Oui, nous l'avons toujours, mais pourquoi voulez-vous celle-là? Je la trouve mieux, il y a plus de monde que sur celle-ci. Je sais pas, j'arrive pas à faire mouche ni à me concentrer. J'ai l'impression de ne pas être en face d'un bandit. Bon, alors je vais vous projeter l'autre. Que je peux tirer mal. On vous attend. Allez à la place des bœufs. Vous trouverez une voiture. Buté devant nos yeux. Bravo. On a tiré depuis la voiture. Vous êtes certain d'avoir vu? Moi aussi, j'étais là. On a tiré par la portière. Allez, j'ai vu une main qui sortait de la voiture. Harry, tu notes toutes les dépositions de ces gens-là. Schroeder et Sterling. Est-ce que ça va encore durer? Venez-lui longtemps. Il faut que j'aille chercher les enfants. Je vous écoute. J'étais sur le trottoir, j'ai entendu quelqu'un crier. Je me suis retournée, j'ai vu. Winterstein. Mais il faut que je m'en aille. Je dois m'en aller. J'espère qu'on peut me garder tout ça. Oui, j'ai entendu les coups de feu de là-haut. Moi aussi, je venais d'arriver au premier étage. C'est parti d'une voiture? Oui. Que faisait Winterstein dans votre service? Il y avait une affaire particulièrement dangereuse pour lui? Non, une affaire classique. Une affaire de faux. Il traîne des billets de banque qui ne sont pas très catholiques. Un gros coup? Peut-être. Nous n'avons encore que de vagues renseignements. Il en savait peut-être plus qu'il ne vous en disait. Pourquoi dis-tu ça? Je l'ai vu hier matin au pas de tir. Il voulait voir s'il savait se servir d'un revolver. Et qu'est-ce que tu en conclus? Peut-être pensait-il qu'il allait en avoir besoin. Allons voir au stand. Oui. Oui, en effet.
Il voulait une autre diapo, une photo qui avait été prise dans la rue et où il y avait des gens et un mec qui tirait d'une voiture. Et il ne voulait pas tirer sur autre chose. Est-ce qu'il vous a dit pourquoi? Non. Et il voulait que ce soit plus difficile. C'est du moins ce que j'ai compris. Une scène de rue. Une voiture et un mec qui tire. Mais pourquoi? Il disait que... qu'il n'arrivait pas à se concentrer. Je suis comme paralysé. C'est ce qu'il m'a dit. Il était comme paralysé. On sait donc pourquoi il n'a pas tiré. Cette ligne en filigrane qui apparaît dans l'agrandissement du vrai billet est absente des billets contrefaits. En tout cas, c'est du travail soigné. Sans doute le meilleur travail que j'ai jamais vu. Comment avez-vous eu le faux billet? Nous l'avons reçu de la Banque centrale. Il finira ses jours au musée de la criminelle. Tu peux continuer, Grégoire. En général, nous connaissons tous les spécialistes de la contrefaçon, mais dans le cas présent, nous ignorons qui c'est. Et Winterstein? Il avait tout coordonné. Il en avait fait une affaire personnelle. On peut même dire qu'il la considérait comme l'affaire de sa vie. Seulement, nous ne savons toujours pas comment il est tombé sur ce trafic. Oh. Alors, il n'a pas fait de rapport, n'a rien dit. On ne sait pas s'il avait trouvé une piste. Ah, c'est drôle. Où habitait-il? Chez sa mère. Il était célibataire. La pauvre femme est prévenue. Nous voudrions voir Madame Winterstein, s'il vous plaît. Ce vieil inspecteur Derrick. Tiens, Euler. Qu'est-ce que vous faites ici? Madame Winterstein vient de se coucher. Elle est anéantie. Son fils unique. Elle se retrouve toute seule. C'est Roland Euler, un collègue. Je ne le suis plus, inspecteur. Parce que je suis en retraite. Ça fait maintenant un an. Vous étiez à la brigade des jeux et vous étiez chargé aussi de la fausse monnaie. Oui. C'est tout ce que vous dites? Winterstein m'a appelé. Il m'a dit... Vous n'êtes plus de la maison, mais nous parlons encore très souvent de vous. Il m'a rendu visite. Il était bloqué dans une affaire très compliquée. Capitale, oserais-je même dire. Il m'a consulté, j'ai répondu, cher ami, maintenant, je ne peux rien du tout pour vous. Et en outre, cela ne m'intéresse en rien. Je ne suis plus dans le coup. Ah, il s'est acharné. C'est ainsi que nous avons commencé à collaborer. Vous avez collaboré. Expliquez-moi ça. Harry Klein est également à la criminelle. Madame Winterstein m'a téléphoné dès qu'elle a su que son fils avait été tué. On l'a assassiné. Et d'un coup de feu tiré d'une voiture, j'en ai entendu parler. C'est le modernisme. Nous supposons que la mort de notre pauvre ami a un rapport tout à fait direct avec cette histoire de faux billets, sur laquelle d'ailleurs vous avez travaillé. Oh, je ne pense pas. Que ce soit le mot qu'il faille utiliser. Est-ce que je peux vous expliquer? Oui. Voyez-vous, ce jeune homme avait un défaut rédhibitoire. C'était de vouloir faire toujours du spectaculaire, de l'énorme, de l'insensé, comme un prestidigitateur qui sort des colombes de leur cage. Je sais qu'il faisait de cette histoire une affaire toute personnelle. Un individualiste forcené. Et que rien n'arrêtait. Vous aussi, je crois. Vous connaissez ce genre de type-là, Derrick. Oh oui. Vous étiez de cette catégorie. Oui, c'est vrai. Oui, mais j'étais aussi de cela. C'était assez grisant de pouvoir foncer et de résoudre une affaire tout seul. Ouais. Ah, quelle sensation, Derrick. Ce sont des souvenirs que l'on garde dans son cœur. Vous ne nous cachez rien, Euler, n'est-ce pas? Moi? Allons, inspecteur. Vous croyez que je travaille toujours en solitaire? Le bureau de Derrick et Sharding. Oui, monsieur le directeur.
Non, il est sorti. Derrick et Harry sont chez Madame Hilterstein. C'est aussi ce qui m'est tout de suite venu à l'esprit, qu'il avait sans doute pris des notes et les avait planquées. Numéro, nom et adresse. Dans ce cas, c'est pas la peine de me fatiguer. Oui, seulement je n'ai rien trouvé. Voyez, Derrick, pour vous, tout cela n'est que de la routine. Vous travaillez comme vous le faites tous les jours. Mais pour moi, ça représente davantage. Écoutez-moi, Heller, vous avez été mis à la retraite. Parce que personne ne peut, à partir d'un certain âge dans notre profession, être en état de faire face à ses obligations. Épargnez-moi donc vos sermons. Si je savais ce qui peut vous aider, vous savez que je vous le dirais. Qui est cette jeune fille? Son ami, je crois. Il en avait plusieurs. Savez-vous par hasard quel est son nom? Schulte. Agnès Schulte. Mais ce n'était pas sa maîtresse. Néanmoins, il nous faut son adresse. Tu crois qu'il nous dit la vérité? Dieu seul le sait. Vois-tu, les retraités de la police ne sont pas des hommes comme les autres. Il est difficile de leur faire admettre qu'ils n'ont plus rien à faire. Et ils rêvent encore. Ils rêvent de quoi? De la grosse affaire de leur vie. Tu m'as demandé une liste de toutes les personnes qui ont affaire de loin ou de près dans cette histoire. On a l'adresse de leur dernière résidence. J'ai déjà fait effectuer des recherches. Eh bien? Tomber sur une piste, ce serait un coup de poing. Il y a un nom pointé en rouge. Hakim Schenke. Oui, ça je sais lire aussi. Pourquoi me l'as-tu pointé? Schenke a fabriqué de la fausse monnaie il y a 4 ans. Il faisait dans la qualité. C'est à lui que j'ai tout de suite pensé quand les faux billets de 100 sont apparus sur le marché. J'ai appelé Karlsheim en téléphone, mais il est toujours incarcéré. Il doit connaître les gens capables de faire ça. S'il y en a un, c'est lui. Oui, je sais. Mais on dit que les vôtres étaient de la même qualité. Pas tout à fait, sinon je moisirais pas dans ce trou. J'aimerais bien savoir ce que vous voulez de moi. Depuis combien de temps êtes-vous là? 3 ans. Il vous reste encore combien? Encore 1 an et demi. Vous avez toujours eu une bonne conduite. Ah, vous croyez? Oui, on me l'a dit. Et c'est votre première condamnation. Oui. Ouais. Par conséquent, il y aurait une possibilité de réduction de peine. Je me suis renseigné. Vous êtes sûr de ça? Le directeur se félicite de votre conduite et de votre collaboration. Si je comprends bien, vous avez besoin de moi. De votre coopération. J'en serais ravi, seulement il faut que je vous avertisse. Je ne pense pas qu'il y aurait un rapport entre une remise de peine et une collaboration de votre part, car cela n'est pas de mon ressort. Coopération. Vous vous êtes dit, Schenke,
S'y connaît, il doit avoir gardé des relations dans le milieu. Il faut l'amener doucement à une coopération avec moi. C'est ça? C'est cela. Je n'ai plus d'amis dans le milieu. Et il faudrait d'abord voir des tas de gens, connaître les personnes qui sont encore dans le coup. Cela demande beaucoup de temps. Et il faut de l'argent. Vous aurez tout ça. Ah. Ça, c'est un argument alléchant. C'est effectivement mon rayon et je dois surtout dire que la perspective de sortir est intéressante. Mais je ne suis pas un petit chien qu'on tient en laisse, vous comprenez? Je ne vous demande que de nous aider. C'est assez tentant. Seulement, il est difficile de garantir une réussite complète. Je le sais. Alors, d'accord. Oh, j'ai droit aux prévenances de la police. Comme vous voyez, vous venez. À votre service. Une cellule, c'est long, vous savez. Où voulez-vous habiter? J'aimerais un duplex dans un 4 étoiles. Living room en bas et chambre au premier. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est possible. Et puisque vous le dites. Non, vous pouvez la détruire. Pardon? Nous n'en avons plus besoin. Bon. Puis-je demander ma chambre moi-même, inspecteur? Oui, naturellement. Je vous laisse un peu de temps pour contacter vos amis et retrouver vos habitudes. Et puis vous revenez? Oui, je reviens. Mais je veux espérer ne pas revenir pour rien. Soyez tranquille. C'est Schenke? Oui. Eh ben, ça n'a pas l'air d'un gamin. C'est un vrai dur, alors tu fais attention. C'est pas du gâteau. Je ne pense pas. L'essentiel, c'est de ne pas te faire remarquer, surtout. On peut toujours essayer. Par ici. Voici mademoiselle Schulte, Derrick. Schulte? Agnès Schulte. C'est Euler qui m'a dit de venir. Ah oui, je sais. Je vous en prie, entrez, mademoiselle. Voulez-vous qu'on aille prendre un café ensemble? Ça facilite les rapports. Je veux bien. Bon, nous descendons à la cafétéria. Je vous en prie. Depuis quand connaissez-vous Horst Winterstein? Un an environ. Et est-ce que vous vous voyez souvent? Presque tous les jours, quand il n'était pas de service. Il prenait son métier très au sérieux? Oui. C'était le meilleur garçon qu'on pouvait trouver. Et il aimait sa profession? Je n'en sais rien. Il voulait se faire une place. Il voulait réussir. Se distinguer? Oui. C'est un garçon qui avait de l'ambition. Ambition que vous compreniez? Je crois que oui. Si on veut s'éclater, il faut qu'on fasse quelque chose d'extraordinaire. Vous trouvez cela étonnant? Moi? Non.
Seulement, ça ne veut rien dire. Est-ce que Winterstein parlait quelquefois de ses affaires personnelles? Oui. D'une affaire qui le hantait. Il disait toujours, si j'arrive à coincer ces gens-là, alors j'aurai réussi. Et dans cette affaire en particulier, il a travaillé avec Keller. Mm-hmm. Mais il n'a jamais transmis à ses collègues les résultats qu'il avait réussi à obtenir. Alors la question est, est-ce que dans les relations que vous aviez, il lui est arrivé de citer des noms ou des faits qui nous seraient utiles maintenant? Que vous a dit Euler? Il a dit qu'il ne savait rien. Pourquoi vous a-t-il dit ça? Si un homme sait quelque chose, c'est lui. Il travaillait la main dans la main. Ne peut-on le forcer à dire tout ce qu'il sait? Non, on ne peut pas. C'est un garçon têtu. Heller a été mis à la retraite et un jour, il voit un de ses anciens collègues venir le trouver et lui dire tout à coup, j'ai besoin de votre aide. Cela a pu le tenter. Vous supposez qu'il fait une enquête pour son propre compte? Oui, j'en ai la sensation. C'est pour ça que je vous demande, qu'est-ce que vous savez? Peu de choses. Je sais seulement qu'une rue, une maison particulière, ont pu jouer un grand rôle. J'ai souvent entendu parler de la Hackerstrasse au cours de nos conversations. Seulement, je ne sais pas jusqu'à quel point tout cela peut vous être utile. C'est déjà quelque chose. J'ai surpris quelquefois des coups de téléphone. Horst appelait toujours le même hôtel. Et c'est toujours le même numéro qu'il demandait. Vous vous souvenez de ce numéro? C'était le 48. J'ai une mémoire assez étonnante. Je travaille dans un bureau qui est spécialisé en matière de finances. Bon, voilà. Nous avons un indice. Puis-je poser une question? Oui, bien sûr. Vous allez trouver l'assassin. Je dois combien? Bonsoir. Echterding? Derrick, Harry au téléphone. Je suis tout près de l'Erschenauer. Heller est en train de faire de l'essence. Il est resté toute la journée dans son appartement. Oui, je ne le quitte pas d'une semelle. D'accord, entendu. Salut, chérie. Est-ce que par hasard, tu aurais aperçu un vieux monsieur passer par ici? Que tu montes? Oh, j'ai pas le temps. Alors, fous le camp. Environ 60 ans. Fous le camp.
qu'elle fiche le camp. Il y a longtemps que j'en ai marre de tes salades. Fous le camp à vitesse ou je te fais une grosse tête. Puis-je m'asseoir à côté de vous? Naturellement, asseyez-vous. Faites donc comme chez vous. Vous êtes perdu dans le coin? Oui. Ça se voit, vous passez pas inaperçu. Oui, oui. Ouais. Pourquoi? À cause de votre façon de vous habiller, de vous déplacer. On vous remarque. Vous aussi, on vous remarque. Croyez-vous? Vous, peut-être. Vous êtes la seule. Ça vous ennuie de filer? Non, naturellement. Ouais. Excusez-moi, monsieur. Voici votre flotte. Monsieur Euler. Vous êtes blessé? Non. Seulement, on vient de vous tirer dessus. Oui, ça m'en a tout l'air. C'est imprudent de venir par ici. Vous m'avez suivi? Je ne dis pas le contraire. Derrick, hein? Il vous a dit de surveiller ce vieux dingue de Euler et de ne pas le lâcher. Voir ce qu'il fait. Oui, je crois qu'il n'avait pas tort. Ce qui s'est passé prouve que Derrick ne s'était pas trompé. On peut savoir à quoi vous jouez. Winterstein me l'avait dit. Et il savait qu'il se passait quelque chose. Il avait rendez-vous avec un indicateur dans ce quartier. Et quand vous l'a-t-il dit? Un jour avant sa mort. Et il vous a donné le signalement de cet homme? Je sais que c'est un jeune homme, c'est tout. Cheveux longs, barbu, blue jeans. Un guitariste, paraît-il. Et qu'est-ce qu'il voulait tirer de ce mec? Il a dit que ça pourrait être une assez bonne piste. Un guitariste barbu. Vous savez autre chose? Ça m'étonnerait que vous sachiez rien d'autre, monsieur Euler. Je devais venir dans cette rue et attendre. Il n'a pas eu le temps d'en dire plus. Regarde tous ces gens. Schenke doit fêter sa sortie. Retrouvailles avec tous ses anciens collègues. Et il a loué tout un salon particulier. Qu'est-ce que t'en dis? C'est excellent. C'est ce que j'attendais. C'est encore ce qu'il avait à faire de mieux. Il pourra ouvrir les yeux et les oreilles. Il célèbre quoi, au juste? Probablement sa libération. Émile et sa souris.
Viens dans mes bras, ma grosse. Toujours aussi croustillante. Est-ce que je suis contente? Vieille crapule. Ah, je suis heureux de te voir, Falben. Toujours élégante. Qu'est-ce que tu penses de ma grande fille? C'est elle que je portais sur mes genoux. Oui. Je peux la prendre dans mes bras. Suis, vieux frère. Écoutez, prenez place. Asseyez-vous. Et allez-y, mangez et buvez ce qui vous plaît. Il y a assez de champagne pour tout le monde. Je veux que la fête d'aujourd'hui marque mon renouveau. Si vous ne buvez pas tout, vous le collez par terre. Bravo. Comment ce sourire a-t-il pu entrer? Je suis Cheg. Vous voulez trinquer? Oui. On peut savoir votre nom? Barbara. Alors à la blonde Barbara que je suis heureux de connaître. Mais nous avons le même tailleur? Oui, on dirait. Doctus! Tu as bien reçu mon message? On m'a appris que tu étais sorti de prison hier, mais ça m'a surpris que tu sois sorti aussi vite que ça, parce que tu avais encore un an et demi à tirer. Je me suis très bien conduit. Pour toi, une grande bouteille toute fraîche. Non, t'es gentil. Non, je ne bois plus. Tu ne bois plus, toi? J'ai pas mal d'ennui de santé. Tu es malade? Disons seulement que je tiens plus le coup autant qu'autrefois. Bon, viens t'asseoir. Salut, bonjour tout le monde. Ça roule? Stéphane. Bonjour. Bonjour, Harry. Je viens de regarder ton rapport. Qu'est-ce que t'en dis? Muller recherchait un joueur de guitare. Oui, je l'ai noté. Schroeder. Oui, je suis là. Hier soir, on retrouva avec le Schenk. Est-ce qu'il y avait de la musique? Oui, un guitariste très bon, une belle voix. Est-ce que tu peux dire comment il était? Un barbu, cheveux longs, avec des blue jeans. Entrez, entrez. Je vous attendais. Ah oui, bonjour. Avez-vous pris le petit déjeuner? Parce que je n'en ai que pour un. Vous ne pouvez même plus aller faire les courses? Non, c'est ainsi. Quand on est en retraite, on se dit qu'on a enfin tout son temps. Grosse erreur. Vous m'avez caché quelque chose. Bon, ça va. Je sais que vous savez que j'ai recherché un homme dans un endroit bien précis hier. Pouvez-vous me dire enfin pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? C'est logique, à cause des faux billets. Je me suis souvenu d'un coup de téléphone. Winterstein disait à quoi ressemblait cet homme et où il était. Bon, ça suffit alors. Racontez-moi ce que vous savez. De votre temps, les rapports n'étaient pas plus clairs. Bien sûr que si. Vous voulez un rapport? Mais au nom de quoi, grand Dieu? Je ne suis plus de la maison maintenant. Ce n'est pas une raison qui vous dispense de nous dire ce que vous savez à propos d'un meurtre. Je trouverai le meurtrier avant vous, je vous le jure. Un certain guitariste, c'est bien ça? Oh, celui-là aussi, je l'aurai. Si vous nous aviez tout dit plus tôt, nous l'aurions sans doute arrêté. Quoi? Schenke, est-ce que ça vous dit quelque chose? Il y a beaucoup de Schenke. Pas de faussaire comme lui. Celui-là, je devrais le connaître. C'était un artiste, vous savez. Les faux monnayeurs ne sont pas des criminels ordinaires. Ce sont des idéalistes. Des gens qui fabriquent de l'argent au fond d'une cave ou dans une cuisine. La vie qu'on peut s'offrir avec ça. Avec de l'argent qui ne vaut rien. D'ailleurs, que vaut la vie? Et que vaut l'argent? Sait-on vraiment s'il existe une relation entre ces deux conceptions? Bien sûr, tout ça, c'est de la philosophie. Mais on parlait de Schenke. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été relâché. Relâché, c'est impossible. Il a encore un an et demi à tirer.
Pourquoi vous me regardez? Pour rien, non. Il est sorti depuis quand? Ça fait 2 jours. Hier, il a donné une soirée pour ses anciens collègues. Il y avait un joueur de guitare à cette petite fête. Un guitariste? J'aurais dû tout vous raconter. Et je n'aurais pas dû le rechercher. Je crois que j'ai commis une faute, je m'en excuse, mais je n'avais rien d'autre à dire, sauf que cet homme Horst en a parlé plusieurs fois au téléphone. Vous savez pas autre chose? Non. Pas autre chose. Il en sait sans doute plus. Hein. Oui. Il a joué la scène du vieux monsieur Naïf. Je suppose qu'il savait tout et qu'il savait aussi que Schenke était sorti. Pourquoi tu ne lui as pas parlé de son hôtel, chambre 48? Parce qu'il n'a pas encore donné son congé. Mais qu'est-ce qu'il fait à l'hôtel? Il se fait remettre la liste de tous les clients chaque matin. Il patiente. Il attend sûrement un homme bien précis. Alors, nous avons 2 chambres. Nous avons également 2 hommes. Il nous manque une 3e chose. Excusez-moi, c'est une affaire urgente. Vous avez entendu parler de la soirée? Oh oui. Et je suppose que tout s'est merveilleusement passé. Vous n'avez pas raison. Personne n'a cru que vous aviez été relâché si tôt. Peut-être. Peut-être vous a-t-on fait des propositions? Est-ce que je me trompe? Non. Ne sois pas inquiète, il est gentil. Un ami à toi? Oui et non. Bon, disons plutôt un associé. Maintenant, tu vas prendre un bain. Jolie brune fille. Oui. J'aimerais qu'elle reste. Bien sûr. Ça n'a rien de surprenant. Schenke, l'avenir de cette belle enfant ne dépend que de vous. Tout à fait d'accord. Cette fille est à vos ordres. Une autre façon de spéculer encore sur ma collaboration. J'ai appris certaines choses. Mais je ne suis pas un dénonciateur. Oh, ça, j'en suis sûr. Et je respecte vos raisons. Donnez-moi un petit tuyau, au moins. Il s'agit d'un truc génial. Je suis honteux de ne pas y avoir pensé. Et c'est un truc tout bête. Mais seul, vous ne trouverez rien. Donc, vous n'avez rien de spécial à me dire? Pas encore. Il est trop tôt. Bon, j'attendrai. Vous allez rencontrer quelqu'un. Et il prendra une chambre dans le même hôtel. Le numéro 46. Dans quel hôtel? Vous ne dites pas tout non plus? Non. Bon, j'espère que j'ai joué la carte que je devais jouer. On m'a offert 1 million. Et aussi d'aller faire un voyage agréable à l'étranger. Vous avez dit non? Simplement, je n'ai pas bondi de joie tout de suite. Ce que vous pouvez toujours faire. Ce qu'il faudra que je fasse. Je ne peux pas refuser si je veux tout savoir.
Et ce que je ferai, vous devez me le laisser faire. Je fais de vous mon complice dans une affaire criminelle. Ça vous plaît? Ça n'est pas le pied, oserais-je dire. Vous aurez votre type. Et il faudra avoir encore un peu de patience. Disons un jour ou deux. C'est une question de confiance. Oui, c'est entendu. J'ai mis le doigt dans l'engrenage. Je prends les risques que ça comporte. J'ai l'impression que les risques sont partagés. Non? Oui, d'accord. C'est tout pour l'instant. Je me sauve. Attendez-vous à avoir bientôt de la visite. Qu'est-ce qu'il a dit? Aucun problème. Nous savons ce que nous voulions savoir. C'est une relation très importante, dirait-on. En vérité, qui c'était? Tu ne dois pas casser ta mignonne petite tête pour ça, mon ange. Tiens, c'est lui. Alors, tu es dingue, non? Barbara doit d'abord sortir. Combien de temps ça va durer? Nous avons tout le temps. Non, il n'y a pas de truc particulier dans la fausse monnaie. Les choses se présentent toujours de la même façon. Il y en a un qui imprime les faux et cherche à les vendre. Mais il ne le fait que très en dessous de leur vraie valeur. Pour eux, 50 ou 40%. Voilà son seul intérêt. Et la suite ne l'intéresse pas. Schenke a parlé d'un truc particulier. Il doit y en avoir un. Pour une fois, on doit avoir affaire au niveau de la distribution. Alors peut-être, est-ce que c'est ça? C'est à la distribution qu'on doit chercher. C'est là qu'on pourra trouver le truc. Merci beaucoup. Il a encore une fois demandé la liste des clients. Je l'ai demandé aussi. Il semble intéressé par Monsieur Harold Byfus. B-E-Y. Mm-hmm. Londres. W-1. J'envoie quelqu'un pour surveiller Monsieur Byfus. Reste sur le coup, seulement sois prudent, Harry. Hein? Bon. Et si on expédiait toute la fausse monnaie vers l'étranger? Ça dépend où il l'enverrait. Angleterre. Hors de question. Ils sont particulièrement attentifs à la monnaie étrangère. Contacte Interpol pour savoir si l'homme est connu. Qu'est-ce qu'on fait, Derek? On n'a plus le droit de faire la plus petite erreur. Voici M. Byfus. Il a parlé en anglais? Non, il avait un passeport anglais, mais il parle notre langue. Avec un accent? Peu d'accent. Merci. Laisse tomber ta chambre et viens habiter à l'hôtel avec moi. Ah, tiens, ou encore mieux, on peut louer un appartement. Entendu, c'est ce que je vais faire. Il faut que je m'en aille. Tu reviens quand? On dîne ensemble? Oui, c'est une excellente idée. Je t'aime, tu sais. Quand tu es arrivé à la soirée, je me suis dit, c'est celle-là, sinon ça sera jamais personne. 3 ans, c'est une éternité. On perd la notion du temps. On oublie ce qui vous entoure. On perd aussi les habitudes acquises. On ne perd pas la connaissance que l'on peut avoir de l'être humain, vois-tu. Je crois que ça, c'est une chose que l'on garde sa vie entière. Je croyais que peut-être les êtres s'étaient transformés durant mon séjour en prison. Quelle erreur.
Il est mignon, ce micro. Je me suis fait avoir comme un gosse. Allez, vite, débine-toi. Bouge pas! Viens ici. Approche. Je te demande pardon. Quinze à rien pour vous, Derek. Maifus est connu des services internationaux pour des tas de petits délits, chantage, trafic d'armes et autres. Jamais on a pu prouver quoi que ce soit contre lui. Il s'est toujours tiré d'affaires. C'est ce qu'on peut dire. Son champ d'activité était l'Amérique du Sud, maintenant l'Afrique. Ah, aussi l'Afrique? Il voyage d'un pays sous-développé à l'autre. Les faux billets jouent quel rôle là-dedans? Le tiers-monde et ses satellites. Comment ces gens-là peuvent-ils se laisser avoir? Ou alors ils manquent d'expérience, que disons plutôt que ces peuples sont plus faciles à tromper que les autres, peut-être. Le bureau de Derek Stording, de la part Schenke. Donne-moi ça. Oui, Derek. Il faut que je vous dise maintenant tout ce que j'ai appris. Vous êtes assis? Branchez donc votre magnétophone en vitesse. Oui, c'est ça. Il s'est passé énormément de choses qui font que j'ai intérêt à tout déballer. Allons-y. Les billets sortent de chez un certain Ductus. Ça n'est pas un inconnu. Un roublard, oui. Notez bien son nom. Ductus. La voilà. Vas-y. Parfait, Barbara. Merci. C'est en Afrique que ça se tient. Ça facilite les choses. Oui. On commence par une ligne aérienne et ensuite une banque d'État. Un guitariste, mon cher. C'est un homme jeune, blue jean, barbu. Une petite minute. Schenke! Qu'est-ce qu'il y a, Schenke? Que vous arrive-t-il, Schenke? Schenke! 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 Le guitariste, inspecteur. Dans la rue piétonnière, Derek. Dites-lui que vous êtes... Dites-lui que vous êtes Byfus. Allô? Prends l'appareil, il n'a pas encore coupé. Allô? Appelez immédiatement Schroeder et dites-lui de se charger de Schenke, qu'il n'hésite pas à tirer. J'ai besoin de Harry. Allô? Monsieur Byfus? Oui? Je vous souhaite une bonne journée. Pardon? Salut. Salut. Est-ce que vous connaissez ceci? Je vois que d'après votre carte, vous êtes de la police, c'est cela? Oui. Vous êtes en état d'arrestation. Est-ce que je peux savoir la raison? J'ai ordre de vous emmener au bureau de mon patron. Faites donc ce qu'on vous a ordonné.
Vous voulez vraiment faire ça, Derek? Vous allez contacter le guitariste? Oui, et je vais le faire tout de suite. Byfus était déjà en route, il n'y a pas de temps à perdre. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de l'arrêter? Il nous faut d'abord avoir une raison. N'ayez quelques flics avec vous. Non, c'est dangereux. Vous savez ce que vous risquez? Oui, je sais. Derek, vous ne vous rendez pas compte du danger. Ça suffit. Attends. À la place de l'Odéon, il y a une voiture. Mon nom est Byfus. Je suis ravi. La dernière fois, quelque chose a foiré. J'ai tenu à me déplacer personnellement. Nous avons dû tuer un policier. Nous n'avions pas d'autre moyen. Non, c'est pas notre faute. Depuis, j'endors plus. Je voulais éviter ce meurtre. C'est vous qui avez tiré? Quoi? Ah non. Je n'ai rien d'un assassin. Alors qui a tiré? Je n'utilise pas de pareils gens dans mes affaires. Ouais. Calmerton. Mais j'ai pas aimé. C'est stupide. Il va falloir que vous quittiez Munich. Oui, on a prévu de se tirer. Nous allons embarquer la marchandise et on fiche le camp. Vous avez une raison de venir dans ce coin perdu? Ouais. Ma jeunesse s'est déroulée ici, c'est pour ça. Bon, c'est pas un endroit suspect. Vous voulez qu'on fasse la transaction maintenant? Avec plaisir. Vous voulez pas boire quelque chose avant? Monsieur Byfus. Non, j'aimerais régler cette affaire au plus vite, si vous le voulez. Salut, Martha. Salut, Doc. Byfus est arrivé. C'est dingue, c'est un flic. Les vaches, ils nous ont repérés. Pas encore. Et il est tout seul. C'est une bonne cachette. Ouais. Personne ne risque de nous voir. C'est un coin tranquille. C'était l'atelier de mon père. Mon père était inventeur. Seulement, il n'a jamais inventé quelque chose qui rapporte de l'argent. Vous êtes mieux loti. Ouais. Mais un policier se fait descendre. Ça diminue ma joie. Emballez tout ça. Je crois que... qu'on va laisser ça où c'est. Je suis l'inspecteur Derek, police criminelle. J'ai pas plus de chance que mon père. Je suis un raté. Main en l'air. Tournez-vous.
Vous savez qui c'est? Ouais, il vient de me le dire. Dire que vous n'avez pas besoin de moi? Non, non, ce serait idiot de dire ça. Il vous aurait descendu de la même façon que notre pauvre ami. J'ai appelé vos copains. L'un de ces messieurs est un meurtrier. Lequel est Cal Merton? C'est lui. Heller! Laissez, ça soulage. Je devais le faire, même si je ne suis plus dans le coup. J'aurais dû le descendre comme un chien. Tu as de la chance. Dehors. 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 Il faut garder une activité, Tom.